Et bonsoir à toutes, je dis à toutes parce que oui, c'est encore que des femmes qui se sont inscrites à la guidance personnalisée. Je crois que les hommes, ils doivent avoir un petit peu peur, je sais pas. Je sais pas. Alors, c'est vrai que beaucoup plus de femmes sont intéressées par tout ce qui est voyance, mais c'est en train de changer quand même tout ce qui est spirituel. Donc, je perds pas espoir, un jour j'aurai des hommes aussi. Alors, on va commencer. Déjà, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes prête à recevoir le message de Ganesh, d'accord, qui est là. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, il se peut que j'ai juste un message, le mot qui est là, et que rien ne me vienne parce que c'est à vous d'aller fouiller au fin fond de vous. Voir ce que ça représente à l'heure actuelle. Des fois, il faut travailler un peu, hein? Et dans ce cas-là, je n'y peux rien. C'est juste que mes guides ne diront rien. Et pour d'autres, il peut y avoir des messages plus longs, plus courts, j'en sais rien. Donc, je vais vraiment adapter au moment venu avec cet oracle. Voilà. Donc, ben, j'espère que vous êtes prêtes. Tant mieux pour celles qui sont au début, parce que du coup, elles n'auront pas toute la vidéo à regarder. Et je suis désolée pour celles qui sont à la fin. Hein, mais voilà, j'ai fait par ordre d'inscription en général. Dès que je vois les messages, j'écris sur mon petit papier qui est là. Et du coup, voilà. Alors, est-ce que j'ai des doublons? Je crois pas. Non, ça n'a pas l'air. Donc voilà, sinon vous écoutez bien votre date de naissance pour vous reconnaître au cas où. Allez, on y va. Guidance personnalisée, s'il vous plaît. On y va avec Stéphanie. Qui est né le 17 mars 78. Quel message pour Stéphanie? Générosité, Stéphanie. Alors, générosité, de quoi ça me parle? Peut-être d'un peu trop de générosité de votre part. Peut-être que vous en espérez en retour, d'accord? On voit Ganesh là qui donne quelque chose à cette petite souris. Mais peut-être que vous, vous donnez énormément. Donc, toujours à donner, donner, donner. Et vous avez l'impression d'être un peu peut-être dans le non-retour. Alors, le message que j'ai pour vous, Stéphanie, c'est de ne pas. Comment dire? De ne pas attendre de retour. Dans le sens où quand on apporte quelque chose, on n'attend pas de retour. Et au plus on va focaliser sur ça, et au plus ça peut bloquer les retours. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment un grand cœur, et que justement, là, on vous parle de continuer, continuer à donner, continuer à distribuer cet amour qui est puissant. D'accord, chez vous, cette gentillesse, ce grand cœur. Il y a vraiment un élan de votre part. Alors, peut-être que vous avez fait une pause aussi sur tout ça parce que ben, peut-être vous étiez fatigué ou... Et on vous dit de continuer quand vous pourrez, en tout cas, de ne pas hésiter parce que c'est ça. Ça, c'est vous. Et vous, vous devez rester vous-même, d'accord? Donc voilà, la générosité, n'hésitez pas. Comment vous dire? Les énergies, ça va, ça vient, d'accord? C'est si on donne, on reçoit. Si on donne, on reçoit. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors des fois, on ne reçoit pas, mais ce n'est pas grave. En fait, on doit le recevoir soi-même à l'intérieur de soi et du coup se dire, waouh, c'est super ce que j'ai fait. Voilà. Et rien que ça doit arriver à vous épanouir. Alors attention, par contre, je ne dis pas de se décarcasser pour des gens qui n'en valent pas la peine. Attention,
On n'est pas là pour donner aux personnes autour de nous ou qui sont toxiques ou qui nous vampirisent. D'accord? Donc là, je vous invite vraiment à donner aux personnes qui sont chères à votre cœur, aux personnes que vous jugez bon de donner. Parce que ce message aussi, on me dit que c'est aussi peut-être parce que vous donnez trop à des personnes qui ne le méritent pas quelque part. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que ça va un peu contre mes valeurs. Mais c'est pas que oui, il y a des gens des fois qui ne méritent pas parce qu'ils nous pompent. Ils nous pompent jusqu'à la moelle, comme on dirait. D'accord? Et on donne, on donne, on donne et il n'y a pas de retour. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai mes doigts tout violets. Hein. J'ai fait des carottes anciennes violettes. Et du coup, bon, désolée. Mais voilà, après, il n'y a pas de, de mal à donner. Mais il faut juste être prudente, Stéphanie, et ne pas vous faire vampiriser. Ça, c'est différent, par contre. Ça, ce n'est plus donner de l'amour ou en recevoir. Ça, c'est vraiment se faire... aspirer, d'accord? Donc voilà, voilà pour vous Stéphanie avec la carte de la générosité. Vous pouvez la prendre en photo, la visualiser et voir ce qui résonne en vous avec ce message de Ganesh. Allez, je vous souhaite une belle soirée Stéphanie. N'hésitez pas à faire un petit retour en commentaire si vous en avez envie. Et puis j'espère que ce message vous aura parlé. Allez, on va continuer avec Mélodie. Mélodie qui est née le 4 avril 97. Bonsoir Mélodie. Dis donc, alors ténacité pour moi, Mélodie, pour vous, enfin pour moi, pour vous surtout, le message que je reçois, c'est de tenir bon, c'est de tenir bon. Vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez des nouveaux, il y a une nouveauté qui arrive pour vous, il y a quelque chose de nouveau en tout cas que vous aimeriez qui arrive. Et il y a peut-être un petit peu des obstacles qui sont là, d'accord? Et là on vous dit de rien lâcher. Là Ganesh il dit on lâche rien, vraiment. On lâche rien parce que vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin du but, vous n'êtes pas loin d'arriver au point que vous êtes fixé. Alors il y aura peut-être pas, on me dit des... il n'y aura peut-être pas tout ce que vous êtes fixé, ou en tout cas pas comme vous vous l'êtes fixé. Il peut y avoir des changements et un petit peu des choses à revoir, on me dit, d'accord? Mais par contre, de ne pas oublier vos envies, vos rêves, peu importe ce que c'est, à vous ça vous parlera plus qu'à moi. Mais en tout cas, de tenir bon, la ténacité, c'est ce qui fait un peu votre empreinte, on me dit, d'accord? C'est que vous êtes là et vous lâchez rien. Et bien, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il faut savoir aussi couper avec ceux qui ne vous aident pas, d'accord? Si vous n'êtes pas soutenu, si... j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui essayent de vous faire lâcher prise sur quelque chose. Bon, et bien... moi, en tout cas, ce que je reçois, ce que je ressens, c'est qu'il ne faut pas lâcher et au contraire vous accrocher. Voilà ce que j'ai comme message pour vous, Mélodie. Vous pouvez vous aussi la prendre en photo, bien sûr. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage parce que, parce qu'il va y en avoir besoin, mais pour quelque chose de très beau au bout. Donc, j'ai vraiment la lumière au bout qui est là, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire vous aussi si vous souhaitez, Mélodie. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée et puis bonne réalisation à vous. Allez, on continue. Avec Isabelle. Isabelle qui est née le 12 juillet 73.
Bonjour Isabelle. D'ailleurs, Isabelle, pensez à me recontacter pour ce dont on avait parlé, hein. Je vous oublie pas. Attendre Isabelle, décidément on va pas y arriver, hein. Alors Isabelle, elle a deux messages. Elle a le message de l'appartenance et de l'ouverture d'esprit. Alors, pour moi, l'appartenance, on est là pour vous rappeler que ni vous, ni personne n'appartient à personne, d'accord? On est sur quelque chose ou sur lequel on vous parle d'ouverture d'esprit avec ça, où il va falloir sortir de croyances limitantes, qui pour moi, je pense, sont des croyances limitantes. Hein, je peux me tromper, vous me direz. Mais il y a quelque chose au niveau, que ce soit financier, matériel. Des fois, on s'accroche à quelque chose et en fait, non. En fait, il faut lâcher. En fait, il faut lâcher ça. Et peut-être que c'est quelqu'un qui s'accroche à vous aussi, d'accord? Et à qui ou pour qui vous êtes un peu esclave aussi, d'accord? C'est un grand mot, esclave, mais vous voyez, c'est pour vous situer la chose. Et en fait, vous, non, ce n'est pas ni vous, ni personne est esclave de personne, d'accord? Donc, l'ouverture d'esprit, là on me parle de l'ouverture d'esprit, on a la lune sur cette carte qui me parle d'émotion. Donc, c'est un peu embrouillé pour vous en ce moment. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui est complètement embrouillé pour vous. Et en plus, qui plus est, on me parle aussi de schéma karmique. Alors, je pense que vous êtes en train de vivre quelque chose de très karmique pour vous, de transgénérationnel, à fouiller un petit peu dans tout ça ou dans vos vies antérieures. Dans le karma présent peut-être, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en fait où on vous demande d'ouvrir ouvrir votre esprit afin d'avoir une plus grande visualisation de ce qui se passe et afin de pouvoir accepter ce qui est vraiment bon pour vous. Voilà. Afin de voir vraiment où vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. On n'appartient pas par exemple à ses parents ou à son mari ou à sa femme ou à ses enfants. Il faut avoir un esprit plus ouvert que ça, d'accord? Sortir de toutes ces croyances karmiques que vous avez et aussi de ces croyances familiales qu'on nous met à l'intérieur de notre petite tête, hein, quand on est enfant, et où on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, ça tu n'as pas le droit de le faire, mais ça oui. Enfin bon, bref, vous, vous êtes Isabelle et Isabelle, elle a le droit totalement de savoir ce qu'elle veut, d'accord? Donc, à partir de là, Isabelle, eh ben c'est... Et en plus, cette ouverture d'esprit, elle va vous sortir de ce flou. Parce que vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur. Un peu comme un aigle, d'accord, qui vole, qui survole tout ça de plus haut et qui observe. Et là, on vous demande vraiment d'aller observer d'où vous vient ce souci d'appartenance. Vous, vous savez. Moi, je ne le sais pas. Je vous dis les messages que j'ai, mais vous, vous savez d'où ça vient, ça. D'accord? Donc voilà, il faut travailler sur ça, sur le lâcher prise, sur l'appartenance et surtout sur l'ouverture d'esprit. Arriver à comprendre que les choses n'arrivent pas au hasard et c'est de comprendre pourquoi il vous arrive ça. Peut-être que c'est un schéma répétitif encore et encore et encore, je ne sais pas. Voilà.
Voilà Isabelle, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas vous aussi à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, bien sûr. Hein, personne n'est obligé de rien sur cette chaîne. Mais c'est toujours sympa d'avoir un retour, hein, même si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Après, on me parle de croyances. Ouais. On me parle aussi de croyances. Je ne sais pas en quoi vous croyez. Peut-être qu'il y a une ouverture d'esprit à avoir à ce niveau-là. Voilà le petit dernier message que j'ai pour vous. Je vous souhaite une belle soirée, Isabelle. Et à très bientôt, j'espère, pour le rendez-vous. Allez, on y va avec Laetitia. Ouh, Laetitia. Qui est née, ben voilà, ça m'étonne pas, qui est née le 10 octobre 1980. Et ben Laetitia, j'ai même pas fini de dire votre date de naissance, que la carte a sauté. Et en effet, vous avez la carte de la détermination. Bon, je pense que ça vous représente vraiment, vu le tonus avec laquelle la carte a sauté. Donc, c'est magique, quoi. La détermination pour vous. Alors, la détermination, je vous la mets si vous voulez la prendre en photo, vous aussi. Cette carte, elle a un peu des couleurs de feu. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes sur des charbons ardents, prêtes à dégainer au moindre truc. Et en fait, vous êtes déterminé. Déterminé à quoi? Déterminé à réussir. Déterminé à aller là où vous voulez. Vous n'avez plus envie qu'on vous dicte ce que vous avez à faire, ni quand vous devez le faire. Vous avez envie d'être libre et vous êtes déterminé sur vos choix de vie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous aussi. Bon, pour beaucoup de monde, hein, il y a beaucoup, beaucoup de changements actuellement. Mais par contre, voilà, là, avec cette carte-là, je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Donc, vous êtes déterminé à plus pouvoir et c'est même, attention à pas trop, d'accord? Parce que vraiment, j'ai l'impression de vous voir dans ce feu-là et prête à bondir. Mais alors, c'est bien, c'est très bien, il faut être déterminé sur ce qu'on l'on souhaite. Mais ouais, c'est très, très fort, très puissant. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, Laetitia. Mais c'est vraiment, en tout cas, si vous attendiez une réponse sur un sujet, sur quelque chose, la réponse est oui, c'est garder votre détermination et ça va aboutir. Voilà, Laetitia, je crois que tout est dit. quel signe Balance. C'est ça, oui, Balance. Laetitia, donc ouais, mais je serais pas étonnée que vous ayez un petit peu un signe de feu ou un ascendant ou signe lunaire. Bon, n'hésitez pas à me dire tout ça par commentaire et si ce message vous parle, bien sûr, ou pas, vous faites comme vous le souhaitez. Bonne soirée Laetitia et à très vite. Alors, on y va avec Valéria. Coucou Valéria, je suis ravie qu'on se retrouve. Valéria, elle est née le 18 octobre aussi, 80. Ah ben, dis donc, vous suivez avec Laetitia. Alors, Valéria, s'il vous plaît. 18 octobre, 80. On a deux, des messages cachés. Ah, très beau message, Valéria. Alors, on vous parle de capacité à aimer. Je vous la laisse si vous voulez la prendre en photo. Et harmonie.
Alors Valéria, là vraiment, on me parle de votre chakra du cœur, de retrouver cette harmonie dans cette capacité à aimer, capacité à vous relâcher, capacité à faire confiance, capacité à pouvoir accompagner. Vous y êtes. Voilà, là on vous parle de l'harmonie. Vous avez besoin de cette harmonie. Vous avez besoin de vous laisser aimer, d'accord? Et vous, de pouvoir aimer à votre tour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des fois, on perd un petit peu confiance. On perd un petit peu confiance en la vie, selon nos histoires vécues, d'accord? Et là, en fait, on est en train de vous dire que pour retrouver cette harmonie, il faut développer cette capacité d'aimer. Alors, capacité de partager. On me parle de capacité à donner, capacité à partager, capacité à passer outre, capacité à passer outre de vos peurs de souffrance certainement. Accepter de pouvoir aimer différemment et de pouvoir vous abandonner à ça. D'accord? Être en accord avec ça. On est dans le chakra sacré ici. Votre féminité, Valéria. Accepter cette féminité, accepter d'être cette femme. On n'est pas que des humains ou des parents ou des frères et sœurs. On est aussi des femmes. Et savoir se lâcher, savoir se laisser désirer, savoir pouvoir partager le plaisir en couple. Il se peut que ça me parle de couple là, hein, Valéria. Donc, il y a des grandes chances. Donc, ou à ce niveau-là, ou alors on vous dit que vous avez la capacité d'aimer des gens qui vous sont proches et que malgré toutes les difficultés, vous allez pouvoir retrouver cette harmonie. Vous l'avez, cette capacité. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre chakra du cœur, d'accord? Et retrouvez cette douceur féminine qui est la vôtre, votre côté yin. Et voilà, restez dans ce message d'amour et de bienveillance, d'accord? Vous pouvez recevoir et donner. Aimer, vous pouvez re-aimer, ré-aimer, je sais pas, re-aimer, ouais. C'est très très fort. Très très fort. C'est un amour très puissant. Alors je ne sais pas pour qui il s'agit, cet amour de le démontrer. Vous pouvez me le dire même en privé si vous voulez. Mais voilà, quelque chose vraiment de très puissant qui est en train de s'harmoniser ou qui va s'harmoniser si vous acceptez cette capacité d'aimer et de vous faire aimer aussi. Voilà. Valéria, c'était un très très beau message rempli de douceur, d'amour, de bienveillance. Waouh! Je vous souhaite une belle soirée avec ces beaux messages. Et puis on se retrouve très vite, Valéria. Allez, on y va pour Maïva. Pour Maïva. J'espère que tu vas bien. Alors Maëva, elle est déterminée aussi. J'ai pas encore eu, mais bon, Maëva, je la connais, donc je visualise bien en plus ton visage. Oh, quelle belle carte, Maëva. Guérison. Alors là, on me parle de guérison du cœur. On me parle de guérison de l'âme. Il y a quelque chose qui est en train de se produire chez toi, Maëva. Quelque chose de très, très beau. Vraiment. Alors, quelque chose qui peut secouer, quelque chose qui a pu te secouer ou qui risque de te secouer, je ne sais pas où tu en es là tout de suite, mais il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Donc, quoi que qu'il se passe, que ce soit positif ou négatif, il faut accepter ce qui est en train de se passer surtout, parce qu'il y a vraiment une belle guérison du cœur qui est en train d'arriver. Guérison pour toi-même, guérison de bien-être, guérison de douceur, guérison. Du cœur, c'est pas forcément dans le couple ou dans le sentimental. Le cœur, ça peut être
la guérison de ton cœur à toi, la guérison de qui tu es, de ce que tu aspires à être, d'accord? Et bien là, on y arrive, on a des très très beaux messages là. Donc, va te ressourcer dans la nature, Maëva. On me parle vraiment de beaucoup de nature, de gros arbres très porteurs, d'ancrage. Mais la guérison est là. Alors, ok, on me parle de fruits et légumes. Donc, je ne sais pas. Ok, bah, écoute, voilà, hein, tu prends le message, Maëva, de fruits, légumes, de douceur, de nettoyage aussi, de guérison interne. Il y a quelque chose au niveau de la douceur du fruit, on me montre, d'accord? Au niveau... Ouais, avec de la mangue, ouais... Ok, voilà. Maëva, écoute, je te souhaite une superbe belle soirée et ben, bon voyage vers ta guérison parce qu'elle n'est pas loin. Si elle n'est pas déjà en train d'opérer, elle n'est pas loin, Maëva. Je te fais des bisous et puis je crois que nous, on se voit demain, normalement. Donc, à demain. Bisous, pichounet. Allez, on y va pour Christelle. Christelle qui est née le 4 décembre 72. Bonsoir Christelle. 4 décembre 72, s'il vous plaît. Eh bien, Christelle, alors, Christelle, elle a peur d'avoir son message. On va attendre, hein. Ah, ça va, il y en a trois. Je veux dire, s'il y en a plus que trois, je ne prends pas, mais il y en a trois. Allez, l'appartenance. Christelle, vous pouvez la prendre en photo, n'hésitez pas. La sincérité. Elle est très, très belle, cette carte. Elles sont toutes très belles, mais il y en a des... Et le raffinement. Alors, l'appartenance à qui, à quoi, Christelle, ça c'est vous qui le savez. Il y a une appartenance qui est trop prononcée, d'accord, à ce niveau-là. Et on vous dit d'aller travailler sur la sincérité avec votre chakra de la gorge, d'accord. Cette carte, c'est le chakra de la gorge. Et de dire les choses en sincérité, d'accord? Par contre, de les dire dans la douceur. La carte du raffinement, c'est la douceur, c'est apporter quelque chose de très beau, d'accord? Quelque chose de très raffiné, d'accord? Expliquer, apporter aussi peut-être, je ne sais pas, s'il y a du chant ou quelque chose... auprès de vous, Christelle, mais il y a quelque chose qui doit sortir, il y a quelque chose que vous devez dire, il y a quelque chose que vous ne devez plus supporter, peut-être que au niveau de cette appartenance, peut-être que vous êtes mis dans une situation où il y a quelqu'un qui vous a mis dans une situation d'appartenance et ça, ce n'est plus possible, d'accord?
La seule appartenance que vous devez avoir, c'est de vous avec vous-même. Donc ça, déjà, c'est clair. Et en fait, de dire les choses, mais peut-être les dire différemment de d'habitude, peut-être être plus je ne sais pas hein, comment vous êtes, attention, ce n'est pas un jugement, hein, Christelle, mais peut-être, des fois, on dit les choses. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très brut, de pomme. Des fois, je ne réfléchis pas et après, je regrette mes paroles. Quand j'aime les gens, en fait, je dis les choses, je suis sans filtre. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas pour les détruire, c'est au contraire, c'est vraiment pour les sortir de là ou pour les aider, les accompagner. Et en fait, j'ai l'impression que des fois, il faut un peu les secouer. Bon, voilà, ça, c'est ma manière d'être. Et je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais là, on vous parle de plus de raffinement, de plus de douceur. Donc voilà, et vous avez besoin d'aller voir à l'intérieur de vous, me dit-on. Peut-être que vous avez besoin de voir, je ne sais pas si vous êtes dans la spiritualité, Christelle, mais peut-être d'aller voir ce à quoi vous appartenez vraiment, c'est-à-dire à quoi votre âme appartient, on me dit. D'accord? On me parle de votre âme, on me parle de voir à l'intérieur de vous vraiment qui vous êtes et ce que vous voulez. Mais avec sincérité. C'est-à-dire que si on vous transmet un message là-haut, ne faites pas celle qui ne l'a pas vu. D'accord? Soyez sincère avec vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de mieux? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez retirer? Peut-être que cette appartenance est avec vous-même, tout simplement le problème. D'accord? Peut-être que vous n'êtes pas assez doux avec vous-même, peut-être que vous n'êtes pas assez raffiné, peut-être que vous êtes plutôt dans le très simple, d'accord? Et là, on vous parle de raffinement, apprenez à vous trouver belle, grandiose, regardez-vous avec beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, beaucoup de bienveillance, d'accord? Et en fait, voilà, on vous dit de dire les choses et de voir les choses. Aussi, on me parle de les voir, attention, et dans toute sincérité envers vous-même. Il y a un message que vous devez recevoir actuellement, un autre message de vos guides, mais qui vous sera dit directement, Christelle, on me dit. Donc, soyez attentive aux messages que vous allez recevoir. Ce n'est pas forcément un message vocal ou un message en texto, d'accord? On est bien d'accord. On parle de nos guides. Donc là, vos guides vont vous envoyer un message. Il y a quelque chose. Ça peut être sous le biais d'une heure miroir. Ça peut être sous le biais d'une plume, d'aller voir la signification de cette plume. Vous attendez quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous être envoyé en plus de ce message-là. Donc, soyez attentive. C'est dans les jours qui arrivent. Voilà Christelle, j'espère que ce message vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une belle soirée. On y va, on retrouve maintenant Elia. Très joli prénom. Elia, elle est née le 26 février 72. Bonsoir Elia. Il y en a trop. 26 février 72. Alors Elia. Elia, elle bloque son intuition. Elia, elle ne se fait pas confiance, on me dit. Là, on vous parle de votre intuition, de votre troisième œil, d'accord, ici. C'est la carte du chakra du troisième œil. Vous pouvez vous aider, Elia, on me dit, pour travailler avec du lapis lazuli. Donc, n'hésitez pas à vous procurer, si vous n'en avez pas, du lapis lazuli, parce que c'est une pierre qui peut vous aider à développer cette intuition. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ben, je l'ai reçu. Et en plus, je pense que peut-être que vous avez un petit besoin d'accompagnement pour retrouver cette confiance en vous. Et des fois, ben, quand on a une pierre ou un bracelet ou un bijou, peu importe, on se dit « Waouh, chouette, ça nous a aidé. » Mais en fait, oui, ça nous accompagne. D'accord? Ça nous accompagne. L'intuition, vous l'avez. Vous l'avez déjà. Elle est là. Elle est au fond de vous. Par contre, arrêtez de vous poser des questions.
D'accord? Arrêtez de vous poser des questions. Soyez très clair. En fait, c'est simple. L'intuition, ça fonctionne comment? L'intuition, on ferme les yeux, on pose une question, paf, la première réponse qui arrive, c'est ça l'intuition. D'accord? L'intuition, on est souvent, des fois, on voit des formations sur l'intuition, quoi. Bon, ok, pourquoi pas? Pour les gens qui ont vraiment pas confiance en eux, qui ont besoin de clés. Mais l'intuition, c'est quoi? En fait, les formations ne devraient pas durer 100 ans et juste être un programme de rémunération. C'est juste que la formation, moi, si demain, parce que dans mes ateliers, je peux créer un atelier d'intuition, mais l'atelier d'intuition, il va se passer sur la journée, allez, et encore. Donc, l'intuition, c'est quoi? C'est du tac au tac. C'est, par exemple, est-ce que j'ai. Vous cherchez une réponse et pas vous tourner la tête, il y a un truc qui vous fait dire oui. Eh bien, c'est oui. Arrêtez de chercher oui, mais pourquoi, comment, non. En fait, c'est oui. D'accord? C'est ça l'intuition. Et en fait, on vous dit que vous en êtes pleine d'intuition, mais que vous ne vous faites pas confiance. Donc là, on vous invite vraiment à travailler sur ce troisième œil, d'accord? L'ouvrir, développer ce chakra-là. Allez voir s'il n'est pas bloqué aussi, peut-être, s'il y a un thérapeute près de chez vous. Je ne sais pas où vous habitez, Elia, sinon vous pouvez vous rapprocher de moi. Je travaille aussi à distance, peu importe. Mais vous pouvez vous faire aider à ce niveau-là aussi pour débloquer. Peut-être que vous avez le chakra qui est trop fermé ou trop ouvert, mais je pense qu'il est plus fermé chez vous, vu les messages que j'ai reçus. Voilà, j'espère que cette carte vous aura plu, ce message vous aura plu et faites-vous confiance, Elia, vous êtes tout à fait capable de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Votre âme sait tout. Elle sait tout. Adressez-vous à elle, on me dit. Adressez-vous à votre âme, Elia, et vous allez voir en méditation, ça peut vous aider, ou juste en fermant les yeux et voyez les messages qu'elle a à vous transmettre. Voilà, Elia, j'espère que ce message vous a plu. Je vous fais des bisous et à très vite. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Allez, on continue. J'ai pas pris d'eau, j'ai très soif. Avec Hélène. 11 juin 1974. Bonsoir, Hélène. La prospérité. Très très belle carte, Hélène. La prospérité. Prospérité dans quoi? Prospérité dans tout. Apprenez à récolter. Apprenez à savourer, on me dit. Apprenez à accepter d'avoir une vie prospère. Arrivez à accepter cette paix. Ce calme, accepter Hélène de pouvoir arriver à vos buts, on me dit, d'accord? Arriver à être alors ou vous aspirez à une vie prospère et vous y croyez plus, et dans ce cas-là, ce message, il est là pour vous dire que ça y est, ça arrive, d'accord? Ou alors, c'est juste pour vous rappeler qu'on peut avoir une vie prospère sans avoir tout ce dont on rêve, au niveau de l'abondance, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Des fois, on veut toujours plus, hein, et puis en fait, on se rend compte qu'au final, au final, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'aller de faire ça pour être heureux. Là, par exemple, nous le voyons, hein, avec toute la crise que nous traversons, ben, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que finalement le cinéma, le resto, c'était pas forcément très important, quoi. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, si vous attendez quelque chose, une vie plus prospère, avec. Voilà, la réponse, elle est oui. Oui, vous allez avoir la prospérité qui arrive. On me parle de la douceur aussi. On me parle beaucoup de douceur. De rayonnement,
Ça peut être une prospérité de votre être, de votre âme, de vous. Ça peut être une prospérité au niveau de ce que vous devenez ou de ce que vous allez devenir. Voilà, Hélène, j'espère que ce message vous aussi vous aura parlé. N'hésitez pas vous aussi à laisser le petit message si vous voulez. Vous pouvez tout à me contacter en privé, en m'envoyant un message privé si vous préférez. Allez, on continue. Ah, tiens donc. Jennifer. Coucou Jennifer. Jennifer. 1er avril 85. Vous vous rendez compte? Une fois, j'avais oublié Jennifer. Comment j'ai pu faire ça? Jennifer si fidèle. Bon, du coup, elle a eu son tirage quand même. Comment vous allez, Jennifer? Combien elle en a? Ah, il y en a trop. Il y en a 4. Vous êtes trop gourmand. Allez. Eh bien. Allez, 3. On est bon. Alors, Jennifer, on en est où de ces projets? Alors, on a la carte d'ouverture d'esprit. Très belle carte. Mais du coup, il y a un peu de brume. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop. Et du coup, ça demande beaucoup de concentration. Jennifer, beaucoup de concentration pour vous. Mais Jennifer, elle garde la joie. Et ça, j'adore. Jennifer, c'est quelqu'un de très positif. C'est quelqu'un qui croit en ses rêves. Et c'est très, très beau. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? D'accord? Là, qu'est-ce qui peut vous aider dans cette situation? C'est de rester concentré sur vos projets, Jennifer. Je ne vais rien vous apprendre parce que ça, vous le savez déjà. En plus, c'est ce que vous voulez. Vous, de rester concentré sur ces projets. D'accord? Par contre, on vous demande un peu plus d'ouverture d'esprit ici pour pouvoir y voir plus clair, d'accord? L'ouverture d'esprit, vous pouvez essayer de travailler sur votre troisième œil aussi avec du lapis, lazuli, ça aide pas mal. Peut-être essayer de voir plus haut, vous aussi, de prendre de la hauteur sur tout ça, sur cette situation. Et d'accepter avec joie, ou pardon, ça y est, j'ai un soin qui est en train de se mettre en route pour quelqu'un, je sais pas, c'est peut-être pour vous Jennifer, hein, je... bon, désolée. Donc voilà, vous pouvez travailler sur votre ouverture d'esprit, à développer pour aller voir peut-être plus largement. Peut-être que vous êtes sur un truc fixé, on me montre, et en fait on me montre deux chemins, alors comme si vous étiez vers là-bas, et en fait j'ai un petit chemin qui est par là, mais il est tout petit, et en fait celui-là, vraiment la visualisation que j'ai, c'est de l'ouvrir, d'aller voir qu'est-ce qu'il peut y avoir là. Mais ça veut pas dire de laisser tomber vos projets, pas du tout, ça veut juste dire de pouvoir voir différemment les choses et de vous concentrer sur ce que ce nouveau chemin peut vous apporter, d'accord? Alors, on me parle de deux situations pour vous aussi. Les deux chemins, ça peut être le chiffre 2, 9, 9 et 11, 11, 2, ouais. Alors là, si je me sers des chiffres, des nombres, des fois ça m'arrive. Là, le 8 et le 1, ça fait 9, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Ici aussi, vous avez la carte numéro 9. Je vous montre, pardon. Là, on a le 18. Là, on a le 9. Et là, on a 7 et 4 qui font 11. Et 11, c'est quoi? Ça fait 2. Donc, 11, ça peut paraître parler de flammes jumelles aussi, d'accord? Je ne sais pas où vous en êtes au niveau sentimental, mais ça peut être aussi le chiffre 2 et un choix à faire.
Vous allez avoir un choix à faire. Mais pour ça, il va falloir ouvrir votre esprit tout en restant concentré sur vos envies. D'accord? N'hésitez pas. Mais il faut un peu développer votre intuition, développer qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vous êtes sûr de vous? Est-ce que vous n'avez pas envie d'autre chose? Je ne sais pas. Alors là, Jennifer va me maudire, va se dire, elle me met le doute. Non, parce que vous savez ce que vous voulez, mais juste il y a peut-être une autre voie pour y arriver, ou en tout cas il y a un deuxième chemin qui s'est ouvert à vous. Donc, soyez-y attentive. Voilà, Jennifer, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, si vous voulez. Allez, on y va avec Aurélie. Aurélie est née le 24 juin 86. Bonsoir Aurélie. Combien il y en a? Une, deux, trois. Allez, regarde. Ah. Alors, Aurélie. On a la décision. Tiens donc. La carte de la décision. Il y a une décision à prendre là, Aurélie. Et là, on parle de connaissances intérieures. Vous pouvez les prendre en photo vous aussi. Hein. Et de guérison. Alors en fait, tout est très simple. Pour vous, le message est très fluide. En fait, vous avez une décision à prendre. Ok, jusqu'à là, pas de souci. À part que cette décision, vous avez du mal. Vous avez du mal parce que vous avez peur de ne pas avoir assez de connaissances ou ça vous fait flipper. Il y a quelque chose qui vous fait flipper. Là, Aurélie, il y a quelque chose qui... L'inconnu. Je pense que c'est de sortir de votre zone de confort qui vous fait peur. Et là, on me dit qu'en fait, pour prendre cette décision, vous avez les connaissances intérieures, d'accord? Connaissances intérieures, c'est quoi? C'est vous, au fond de vous, ça peut être plusieurs choses. La connaissance intérieure de vous. C'est-à-dire de vous, vous connaissez déjà la réponse à la décision qui est là. Ok, ça peut être ça. Ça peut être aussi d'aller plonger. Peu importe, en méditation, avec un soin avec quelqu'un. Je suis désolée, mais il y a quelqu'un qui est en train de recevoir un soin, je ne sais pas laquelle de vous, mais ça me... ouais. Donc, ça me prend un peu d'énergie, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, voilà, il y a ce message à l'intérieur de vous. D'ailleurs, on voit Ganesh qui est là, sur sa rivière ou son point d'eau qui est assis hein, et du coup qui est là et qui médite à cette connaissance, qui va chercher cette solution à cette décision, d'accord? Peut-être que vous êtes en train d'hésiter pour faire une formation, je sais pas, quelque chose. Ouais, j'ai peut-être une formation ou à vous reconvertir. Et tout ça, ça va vous amener à la guérison. Ça va vous amener à la guérison, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous prenez la bonne décision, et je pense que vous allez la prendre... parce que sinon vous n'auriez pas la carte de la guérison. Si en plus vous avez la carte de la guérison, c'est 36, vous voyez ici là. Et 6 plus 3, ça fait 9. Donc vous arrivez à la fin d'un cycle de quelque chose. D'accord? Donc il n'y a pas de souci. Et là vous y êtes juste avant. On est avec le chiffre 8, 1 et 7, ça fait 8, juste avant. D'accord? Là, vous êtes la décision, par contre, avec le 3 et le 1 qui vont 4, ça va être l'équilibre. Cette décision, elle va vous... ça va être ce changement, cette nouvelle vie. Je ne sais pas hein, si c'est professionnel, sentimental, ça, c'est vous qui le savez, d'accord?
Elle va équilibrer les choses, d'accord, chez vous? Et du coup, vous allez aller vers la guérison. Parce que là, vous êtes en dents de scie, je pense, en ce moment. Je peux me tromper, Aurélie, mais voilà, n'hésitez pas à me dire hein, en commentaire, vous aussi. Mais voilà, quelque chose de très beau qui va opérer pour vous. Mais par contre, voilà, prenez le temps d'aller voir à l'intérieur de vous. Voyez ce que vous souhaitez vraiment, pas ce qu'on souhaite pour vous, ce que vous, vous souhaitez vraiment. Vos connaissances intérieures peuvent vous aider, votre âme peut vous aider, vos guides peuvent vous aider, d'accord? Et cette décision sera prise en âme et conscience, on me dit, donc voilà. Voilà Aurélie, en tout cas, c'est une très belle lecture. Merci à vous Aurélie, et puis je vous souhaite une belle soirée. Allez, on continue avec Virginie. S'il y en a une de vous qui est très fatiguée, ben c'est vous qui êtes en train de recevoir le soin. Je ne sais pas laquelle, mais waouh! Il y en a une qui en a bien besoin. Alors, on parle de connaissance intérieure pour Virginie. Alors Virginie, je suis désolée, j'ai des bugs, mais c'est normal quand j'ai des soins en même temps. Parce que du coup, c'est difficile pour moi de faire le soin et en même temps de recevoir les messages. Donc voilà, j'ai besoin par moment de me recentrer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste, voilà. Alors Virginie, on vous parle de connaissance intérieure. Vous aussi, vous avez besoin d'aller voir au fin fond de vous, d'accord? Au fin fond de vous, ce qu'il y a. Alors, au niveau émotionnel, je pense que vous êtes un peu borderline. Je pense qu'il y a des, il y a vraiment des moments où vous savez plus du tout, peut-être plus ce que vous voulez ou qui vous êtes ou ce que vous allez faire ou devenir, je sais pas. Il y a vraiment un truc émotionnel qui se passe pour moi, pour, enfin pour vous, quoi. Mais je reçois vraiment ce message-là. Il se peut que ce soit pas encore arrivé, que ça arrive, mais on vous dit qu'en fait il faut plonger à l'intérieur de vous pour avoir toutes les réponses, d'accord, avec cette carte de connaissance intérieure pour vous Virginie. Alors ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben alors il y a peut-être un schéma répétitif, me dit-on, que vous êtes en train de revivre une situation que vous avez déjà vécue dans une vie antérieure. Donc, vous pouvez aller fouiller au niveau de vos vies antérieures. Je vous invite à le faire d'ailleurs même. Et aller voir ce qui se passe à ce moment-là. Ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie antérieure? Alors, vous, bien sûr, vous pouvez ne pas y arriver toute seule, sauf si vous êtes un peu dans le spirit, vous pouvez vous mettre en état méditatif ou aller avec l'aide d'autres outils. Si vous connaissez, vous pouvez aller voir vos vies antérieures. Sinon, vous devez vous faire accompagner, n'hésitez pas ça à contacter un thérapeute ou moi-même, peu importe. Mais voilà, vous avez besoin d'aller fouiller au niveau émotionnel, parce que là en plus on me montre les montagnes qu'on voit très très peu sur cette carte hein, au fond, mais en fait vous êtes dans le creux là, vous êtes dans le creux en fait, c'est comme si vous veniez de grimper une montagne et hop vous redescendez et vous dites purée, il y en a encore une autre à monter. Et en fait au niveau émotionnel j'ai vraiment cette sensation là. Donc et vous en avez marre de ça, et vous en avez marre parce que je pense que c'est un schéma répétitif. Donc, on vous dit d'aller voir ce que votre âme a à vous transmettre par rapport à ça. D'accord? Quelle vie vous avez besoin de couper? D'accord? Nos schémas de vie antérieure, il faut les couper aussi. Parce que sinon, ben, on les a de vie en vie. Ok? Donc, au niveau de vos connaissances intérieures. Et en plus, me dit-on, ça va vous développer encore plus votre spiritualité. Si elle n'est pas développée, ben, ça va commencer. Et si elle est déjà débutée, ça va encore plus vous ouvrir.
et aller voir justement peut-être que les réponses sont dans cette vie antérieure. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce qui vous a animé avant? Peut-être que justement vous êtes en train de vous chercher et que vous allez avoir le message tac avec cette vie antérieure qui va ressortir. J'en sais rien, peut-être vous étiez vendeuse de bijoux, peut-être, voilà, je sais pas, peut-être que vous hésitez à vous lancer en tant que thérapeute ou que vous avez quelque chose qui vous manque en tant que thérapeute. Je sais pas ce que vous faites dans la vie, attention Virginie, mais voilà, je vous donne des exemples et du coup, peut-être que ça peut vous apporter le petit plus qui vous manque pour commencer ça. Voilà, j'espère que ce message vous a parlé, Virginie, et puis désolée pour le bug. Mais voilà, je ne peux pas gérer tout ça. Donc, je m'adapte au mieux à mesure. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à me commenter aussi ou en privé, comme vous souhaitez. Allez, on y va avec Delphine. Alors, Delphine, la copine de Jennifer. Parce que Jennifer, elle identifie tout le temps Delphine. Le 5-11-86. Allez, Delphine, quel message pour vous? Alors, Delphine, on vous parle d'émancipation. Émancipée vers quoi? On vous parle du plexus solaire. Cette carte, c'est la carte du plexus solaire. Vous pouvez la prendre en photo. Elle est très, très belle. Elle rayonne. Elle est très profonde, cette carte. L'émancipation vers quoi? Eh bien, vers la pratique spirituelle. Alors, si vous vous posiez des questions, si vous deviez vous lancer dans le sur la spiritualité, ben, vous avez la réponse. Hein. Vous pouvez y aller. On fonce, on y va. J'ai même pas besoin, si c'était ça la question, enfin, ce que vous posez en ce moment comme question, ben voilà, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Vous êtes là à travailler. Le plexus solaire, c'est beaucoup la confiance, d'accord? Donc, on est là, on se cherche, on ne sait pas trop l'émancipation. Voilà, est-ce qu'on se lance tout seul, d'accord? Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on se lâche? Est-ce que c'est comme un ado, hein, un ado qui demande son émancipation, d'accord, qui part du cocon familial alors qu'il est toujours ado. Bon, ben voilà, il veut se débrouiller tout seul. Ben vous, on vous dit, allez, go, let's go, et on va se débrouiller pour aller vers votre pratique spirituelle qui vous sera attribuée par votre âme. Il y a une capacité bien particulière qui sera la vôtre. Alors dans le spirituel, on peut avoir plusieurs capacités, d'accord? On peut faire des soins, on peut faire de la médiumnité comme moi, on peut faire de la méditation, on peut faire du yoga, on peut faire plein de choses, d'accord? Mais souvent il y a un truc avec lequel on est le plus en accord. Donc voilà, là on vous dit de vous lâcher, ça y est, c'est le moment de vous lancer. Et puis bonne route à vous. Je vois pas ce que j'ai trop à dire de plus sur ce tirage qui est très très beau. Et ça va être un renouveau parce qu'en plus vous avez la carte 19 ici. Donc c'est 1 et 9, ça fait 10 et c'est le renouveau, d'accord? C'est le chiffre 1, on repart dans un nouveau cycle, ok? Donc, mais ça vous fait un peu peur quand même, hein, cette émancipation, mais il faut le faire. Il faut le faire. Donc, je ne sais pas quelle sera cette pratique. C'est en tout cas des messages qui vont vous arriver et qui vont vous accompagner. Alors, peut-être que vous n'allez pas devenir thérapeute, attention, peut-être que juste vous allez vous lancer dans une formation ou dans quelque chose de plus spirituel ou simplement du yoga. Et vous vous posiez la question si ça peut vous convenir ou pas. Ça peut être tout simplement ça. Par contre, ça peut être plus poussé que ça. D'accord? Et je pense que pour vous, ça sera plus poussé. Voilà, je vous dis juste ça. Peut-être que pour le début, ça ne va pas vous attirer plus que ça. Mais je pense que ça va être plus poussé que ça. Ouais. Mais voilà, libérer ce plexus solaire là. Qui est un peu verrouillé au niveau de la confiance en vous. Et allez,
lâchez-vous, lancez-vous et faites le grand saut, d'accord? Faites le grand saut. Voilà, Delphine, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à faire un petit retour aussi si vous le souhaitez. Allez, Agnès. Coucou Agnès. Agnès, ma copine. Alors, pour Agnès, s'il vous plaît. Quel message pour Agnès? Alors, Agnès, on a la vision positive. La vision positive. Et je pense qu'à l'heure actuelle, tu en as bien besoin, Agnès. Donc, la vision positive, c'est quoi? C'est cette carte où, en fait, peu importe, on voit Ganesh ici avec d'autres éléphants ici, d'accord? En fait, tout autour de toi, Agnès, il y a du positif. C'est-à-dire que... En fait, il n'y a pas de hier à avoir, à se dire, pétard, bon, là, je regarde tout droit, c'est positif, mais alors, j'ai mes soucis, j'ai ci, j'ai là. Non, là, on te dit de rester dans ta vision positive, et c'est ce que tu fais de toute manière, donc je t'apprends rien, de rester dans ta vision positive sur tout. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi que tu traverses actuellement, ou que tu vas traverser, on te demande de garder cette vision positive, d'être celle que tu es. On me parle aussi d'intuition. On me parle, je vois tous ces yeux là qui sont là, j'ai l'impression d'avoir une pieuvre un peu avec ces tentacules, mais vraiment on me parle de toute cette visibilité, merci, visibilité qui est tout autour de toi. En fait, c'est comme si tu pouvais regarder un peu comme une chouette. Souvent les chouettes, on les voit, elles arrivent à se tourner d'une manière où elles arrivent à voir devant, derrière, enfin, c'est quand même assez impressionnant. Et on me dit pour toi d'essayer de voir, alors je sais qu'en plus tu es en train de développer quelque chose, donc essaye d'arriver à voir sous tous les angles tout ce que tu peux avoir, tu vois, je pense que tu vois ce que je veux dire. Voilà, à prendre toutes les données que tu as et à balayer comme ça, tac, 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 tout le tour, et à se dire ok, et ben qu'est-ce que je sors de positif de tout ça? Et la positivité, c'est que justement, ça va t'éveiller. Ce que tu es en train de traverser, c'est ce qui est en train de t'éveiller. Et du coup, c'est cette vision positive sur ce que ça va, le tremplin que ça va t'apporter. Et c'est pas un petit tremplin. Ça va être un sacré tremplin, Agnès. Eh ben, dis donc, on en reparle. Hein. Donc, pas de souci pour ça. Je te fais des bisous. Je te souhaite une belle soirée. On y va avec Éléonore. Éléonore est née le 5 mars 90. Celle-là, elle a voulu sauter. On va voir si elle ressort, la protection. Alors, Éléonore, 5 mars 90. Non. Alors, Éléonore, pareil, bon, on est sur la vision positive aussi, donc si vous avez entendu le message d'avant, voilà, vous pouvez aussi en tenir compte, mais vu qu'il est personnalisé, pas sur tout, d'accord? Alors là, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes en train de vivre un nettoyage énergétique. Alors, vous voyez la tempête, là, on voit Ganesh qui presque s'envolerait, il y a tout qui vole, c'est le bordel, d'accord? Alors, quand on vit un nettoyage énergétique un peu puissant, et je pense, Éléonore, que c'est votre cas, il faut essayer de rester dans cette vision positive, d'accord? Alors, je pense que ça secoue. Actuellement, je pense que ça vous secoue pas mal. Je ne sais pas dans quel domaine, hein, voilà, je ne vous connais pas. Mais je pense que, en tout cas, si ce n'est pas arrivé, ça va vous secouer. Et le nettoyage énergétique, alors c'est bien, parce que quand on nettoie énergétiquement, on a besoin. On en a besoin presque, je dirais l'idéal, ça serait tous les 3 mois de faire un petit nettoyage énergétique. Mais bon, déjà, si on en fait tous les 6 mois, c'est déjà bien. Mais en plus, le problème, c'est que oui, c'est bien, mais c'est que
quand on nettoie, souvent, enfin moi je vois quand les gens viennent au cabinet, des fois ils pleurent, des fois, voilà, c'est puissant, d'accord? C'est les libérations, on nettoie tout ce qui est toxique à l'intérieur de nous, d'accord? On nettoie aussi tout ce qui est toxique autour de nous. Nettoyage énergétique, ça peut être aussi de faire du tri dans ses amis, dans sa famille, dans son couple, dans ses enfants, je ne sais pas, peu importe, vous voyez ce qui vous parle. Et là, vous êtes en train de faire ça, ou dans le boulot aussi, hein, parce que boulot, voilà. Et en fait, oui, y a tout qui est en train de tourner côté, là. Mais on vous dit de rester positif, d'avoir la vision positive, parce que quoi? Après, quand le nettoyage énergétique, il a eu lieu, hein, eh bien, en fait, on n'a que du positif, d'accord? Quand on va faire un nettoyage énergétique, c'est quoi? C'est pour aller mieux. Donc, on vous dit de rester positive. Ça secoue pas mal pour vous. Mais en attendant, c'est quelque chose qui va vous accompagner à être beaucoup mieux, à être bien sur votre chemin et à bien comprendre tout ce qui s'est passé avant. D'accord? Et à faire du tri. Je pense que vous allez faire du tri autour de vous. Et le nord, vous me direz. Mais je pense qu'il y a un tri qui va s'opérer s'il n'est pas déjà en train de s'opérer. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, Léonore. Et on y va avec Sandrine. Alors, Sandrine qui est née le 22 avril 14. Sandrine, vous êtes la dernière, hein, je suis désolée, mais ça a dû être un peu long, peut-être. Ah, Sandrine, on me parle de révélation pour vous, hop, de révélation pour vous. Elle est très très belle cette carte. Alors on voit Ganesh qui se penche là, elle se penche sur la Voie lactée, sur la galaxie, sur ce qu'elle voit, sur et en fait on voit cette profondeur comme s'il y avait un film, d'accord, et au final, le film, il va s'enlever, d'accord? Comme s'il y avait un voile. Vous avez beau regarder, regarder, vous ne trouvez rien jusqu'à maintenant. Et en fait, ce voile, il va sauter, d'accord? Et il va y avoir la révélation. La révélation, elle est là, elle arrive. Alors, je ne sais pas par quel chemin elle va arriver. Ça peut être des messages de vos guides, ça peut être quelque chose de plus flagrant, d'accord? Ça peut être, je ne sais pas, si vous êtes dans une situation où vous cherchez une réponse, ben, d'un coup la réponse va être là. Ou si vous cherchez un boulot, ben, on va vous mettre le boulot sous le nez. Il y a quelque chose qui arrive, une révélation très puissante, quelque chose de très fort, de très beau qui arrive, d'accord? Donc, ben, écoutez, je vous le souhaite, hein, Sandrine. Mais voilà, quelque chose... Je pense que vous y attendez pas trop trop à celle-là. Je pense que c'est vraiment une révélation dans le sens où, en fait, c'est vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas forcément. D'accord? Il y a quelque chose qui peut se dire aussi. Peut-être que vous allez avoir une révélation d'une personne. Je sais pas. Il y a quelque chose qui arrive à vous, Sandrine. Et qui va arriver très, je pense, très vite, enfin très fort, très puissamment. Donc, je ne dis pas très vite dans le sens demain ou après-demain, mais je pense que ça va arriver un peu comme une claque, quoi. C'est une révélation que vous allez, voilà. Mais positive ou négative, je ne sais pas, je pense plus positive. Mais il y a quelque chose qui, en tout cas, arrive à vous et qui va vous accompagner pour continuer votre route. Voilà Sandrine, je vous fais des bisous, à vous aussi, merci, merci à toutes, je pense qu'il y en a la plupart qui sont parties peut-être de la vidéo, mais en tout cas un grand merci pour toutes être là, me suivre, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube,
Voilà, il y en a qui me suivent partout d'ailleurs aussi. Et j'adore ça. Donc voilà, n'hésitez pas à partager s'il vous plaît. C'est grâce à vous que j'arrive à développer cette chaîne. N'hésitez pas à partager les tirages, à partager sur Facebook, à partager sur Instagram. Voilà, vous, ça vous coûte pas grand chose et moi ça m'aide beaucoup. Et vraiment, voilà, j'ai envie d'apporter le plus de bien possible autour de moi. Et voilà, ces tirages sont gratuits. Donc ben, si je peux aider le max de personnes, c'est très très bien. Voilà, c'est ma participation à moi vers un monde meilleur, on va dire. Voilà, je vous fais des bisous et puis merci, merci, merci encore. Et à très très vite. Bye.